profonde, c'était pas intéressant, personne. Pourquoi j'ai cette musique là dans la tête, on sait pas. Hello les fous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça sera les favoris du mois de juin, pour une fois que je suis pas en retard dans les favoris. Donc aujourd'hui on filme à la lumière naturelle, on a le soleil, ça fait du bien vraiment. Un par un, on va commencer tout d'abord pour la beauté, après je vous ferai voir, il y a deux autres produits qui ont rien à voir avec la beauté. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps je vous montre, c'est un lait corporel irrésistible, donc comme ceci, de chez Au Moulin Rose, que j'adore. Oh, je fais que ça de l'utiliser. C'est au Monoï, c'est un pur plaisir. Vraiment, si vous pouvez vous le procurer, allez-y. Ça a une odeur de Monoï d'été. Franchement, c'est... Oh, mais rien que l'odeur, moi, j'en suis folle. Déjà, moi, de toute façon, de base, le Monoï, j'adore. Mais alors là, franchement, c'est un vrai pur plaisir. Je crois que le petit flacon, je crois qu'il coûte entre 15 et 20 euros. Mais franchement, moi, ça fait plusieurs mois que j'utilise. Et vous voyez, je suis seulement à là. Donc franchement, moi, je l'applique partout. Et vous savez que moi, au niveau du parfum, je suis très, très difficile. Mais alors là, franchement, je m'en sers juste pour me parfumer. Et c'est juste une tuerie. Ensuite, toujours dans les odeurs un peu d'été, j'ai l'huile prodigieuse. Donc, c'est l'huile sèche multifonction visage, corps et cheveux. Ça nourrit, ça répare, ça s'illumine. Bon, vous la connaissez. Elle est comme ceci. Donc, vous voyez que je l'ai bien utilisée. J'ai juste le bouchon qui ne tient plus parce que le capuchon à l'intérieur s'est enfoncé. Je ne sais pas comment. Mais celui-ci, pareil, je l'utilise comme un, on va dire, comme un parfum. Donc, je le mets en dessous au niveau du creux des oreilles, dans le cou, au niveau du creux de la poitrine. Et j'en ai utilisé un petit peu aujourd'hui dans mes cheveux. Je trouve que ça rend vraiment les cheveux. Moi j'adore. De toute façon, cette huile je l'adore. J'ai encore un autre petit flacon. Donc franchement, c'est une pure tuerie. Franchement, vous pouvez vous la procurer sur le site Nuxe directement ou en parapharmacie. Mais franchement, c'est un vrai plaisir. Ça fait combien de mois que je l'ai? Décembre, juin. Ça fait quasiment 6 mois que je l'ai. Et là franchement, avec les beaux jours qui sont arrivés, je le réutilise à fond. Et franchement, niveau économie, vous n'en avez pas besoin de grand chose pour vraiment que ça sente super bon. Ensuite, toujours dans la beauté, j'ai cette petite chose de chez NYX à vous présenter. Donc c'est un Cash Cerne, pardon, excusez-moi, concealer. Donc franchement, c'est une pure merveille. Donc il est comme ceci, je l'ai en teinte DCC02 Light. Donc voilà, franchement c'est une pure merveille. Alors moi qui a beaucoup de cernes ces derniers temps, j'ai beaucoup de mal à dormir parce que j'ai des petites douleurs au dos qui sont assez intenses. Je me réveille, j'ai des valises sous les yeux et franchement, un pur bonheur. Ça me cache les cernes. Magnifique. Bon, aujourd'hui, je suis pas trop maquillée parce que, voilà, j'avais pas trop envie de me maquiller, voilà, tout simplement. Mais du peu que je mets ceci, je mets un tout petit peu d'anticerne un peu plus clair au-dessus pour illuminer et ma poudre. Et on croirait que j'ai passé une nuit de feu, que je suis reposée. Franchement, je l'avais eu en promo chez NYX. Il coûte pas très très cher et franchement, le pot, vous avez 2,9 grammes. Donc franchement, vous en avez pour un certain temps, quoi. Donc voilà, donc si vous voulez vous le procurer, allez-y, n'hésitez pas. Hein. Pour ceux qui ont des cernes et qui ont des enfants, c'est un produit magique. Petit produit que je voulais vous présenter, donc c'est le Coffee Scrub, comme ceci, de chez Action. Donc c'est un gommage au café qui sent juste divinement bon. Il coûte pas très cher, je crois que moins de 2 euros. C'est une pure merveille. Alors, ils disent que vous pouvez faire face et le corps. Je ne l'ai pas utilisé sur le visage, mais je l'ai utilisé sur tout le corps. Notamment, un jour, j'avais bien bronzé. Donc, j'ai fait ma douche normale et je me suis fait un gommage. Et franchement, c'est une pure tuerie. Franchement, je suis quasiment à la fin et je crois que je vais aller... Comme par hasard, quand je filme, ils font du bruit. Donc, je vais aller... Petite parenthèse. Donc je vais aller me le racheter sans problème parce qu'en plus il coûte pas cher. Il a une efficacité juste dingue. Il rend la peau douce. Les grains ils sont pas trop gros. Je sais pas si je vais réussir à vous faire montrer. Ils sont pas trop gros. Et la tuerie, l'odeur c'est juste une tuerie. Donc franchement allez-y. Ne pensez pas je sais pas combien d'euros dans par exemple les gommages et le body ou je sais pas quoi. Ils sont très bien, je dis pas le contraire, ils sont très bien. Mais dépensez pas votre argent dedans, sachant que chez Action, vous en avez un pour 2 euros, même pas 2 euros. Donc voilà. Ensuite, toujours un produit de chez Action.
qui vais sortir ma bouteille. Donc c'est un produit, donc c'est un gel purifiant, donc au tea tree comme ceci. Franchement c'est une merveille, ça n'hésitez même pas à aller le chercher parce que ça coûte pas cher du tout. Je crois qu'il coûte 1 € et quel, je crois, ou moins d'1 €. Donc c'est un gel nettoyant à l'arbre à thé. On sait que l'arbre à thé ça a des vertus purifiantes, notamment sur tout ce qui est boutons, tout ça. Alors par contre, pas le dire. Alors notamment, alors faites attention pour les personnes qui ne supportent pas les odeurs assez fortes, je vous le conseille pas parce que ça sent vraiment vraiment super fort le tea tree, donc l'arbre à thé. Et par contre je pense pas que ça sera efficace sur les peaux vraiment sensibles parce que c'est vraiment un produit assez fort. Moi je l'ai utilisé parce que j'avais deux petits, je l'ai utilisé notamment sur, dès que j'avais un bouton qui apparaissait, et franchement c'est magique. Ça assèche le bouton, c'est le lendemain limite j'avais plus rien. Là j'en ai fait un tout à l'heure parce que voilà j'ai des petits boutons juste ici, et franchement c'est excellent comme produit. Donc ils disent enrichi à l'arbre à thé, enrichi de thé vert plutôt, convient pour les peaux grasses à imperfection. Donc voilà, pour les, comme je vous disais, pour les peaux sensibles, je pense pas que ça sera efficace pour vous. Appliquer en massant sur le visage et rincer à l'eau tiède. Mais franchement, n'hésitez pas à aller chercher, c'est une pure merveille. Ensuite, deux petits chouchous à vous présenter en termes de palettes. Ce mois-ci, j'ai deux petites palettes où vraiment j'ai eu un coup de cœur. Mais quand je vous dis un coup de cœur, je les utilise quasiment les trois quarts du temps. Donc, c'est deux petites palettes de chez Morphe comme ceci. Donc, dans un premier temps, on a la 9D. La Painted Desert, donc qui est comme ceci. Oh, elle a des couleurs juste magnifiques. Franchement, j'ai mis mes gros doigts sur le miroir. Notamment ces deux couleurs-là que j'ai pas arrêté d'utiliser. La couleur orange et un peu jaune moutarde. Franchement, c'est des pures merveilles. Une pigmentation de dingue. Franchement, rien à dire. Et en plus, je les avais eu en promo les deux pour 14 €. Mais je crois qu'ils sont souvent en promo ces palettes-là. Et ensuite, j'ai la 9J, la Just a Crush. J'adore mon anglais, il est juste fabuleux. Donc, il est comme ceci, avec des couleurs un peu plus flash, un peu plus pop. Donc, notamment le petit rose qui est juste ici. Il a des couleurs juste magnifiques, quoi. Il est bien pop. Et franchement, j'avais fait un maquillage, je crois. Je ne sais plus si je l'avais posté. Si je l'avais posté sur Instagram, n'hésitez pas. Je vous mettrai mon lien d'Instagram dans la barre d'infos. Et franchement, je pense que je vous ferai un petit tuto maquillage cette semaine si j'ai le temps. Parce que c'est vrai qu'avec mes deux enfants, c'est un peu dur. Je vous ferai un petit tuto pour vous montrer vraiment la qualité des palettes. Mais de toute façon, Morphe, ils sont réputés pour avoir une très très bonne pigmentation niveau palette et pas très très cher. Et n'hésitez pas, en plus en ce moment, il y a d'énormes promos sur le site Morphe. Je vous mettrai leur lien en barre d'infos, pareil. Donc voilà, franchement, pigmentation de dingue. Et notamment, je me suis maquillée un tout petit peu aujourd'hui avec celle-ci. J'ai mis le rose en coin interne pour faire un petit côté pop. Et j'ai mis... non, c'est pas ça. Si, j'ai mis cette petite couleur-là en coin, en creux de paupière. Et franchement, une pure merveille. Ensuite, toujours dans les côtés soins. J'ai ce petit masque-là de chez Action. Donc, c'est les Bubble... Bubbly Face Mask, donc comme ceci, pareil, qui coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 99 centimes ou 1 € et quelques. Donc c'est un masque, vous l'appliquez sur votre visage, donc c'est sous forme de petits sachets comme ceci. Donc vous avez le masque qui est à l'intérieur, vous l'appliquez et vous faites vous l'appliquez sur tout votre visage, vous laissez poser, et en fait à faire à mesure le masque va se transformer en mousse sur tout le visage. Donc il faut bien attendre que ça mouche sur tout le visage. Et après vous devez masser sur la peau. Et franchement ça vous donne un côté vraiment repulpé au visage. Vraiment tout rageux, bien lumineux, tout propre. Franchement j'ai adoré. Pareil, je vais faire mon petit plein quand je vais retourner chez Action. Donc ça rend franchement ma peau, elle était vraiment, comme je vous dis, plus lumineuse, plus douce, plus ouais, vraiment lumineuse quoi, vraiment pop. Donc n'hésitez pas à aller vous faire des petites emplettes chez Action. Ils ont vraiment de grosses, grosses pépites. Ensuite, toujours des produits, je vous rassure, la vidéo n'est pas sponsorisée par Action. Donc c'est un petit carnet comme ceci. Donc c'est un organizer. Donc ça se présente comme ceci. Je m'enlève mon stylo. Donc vous avez plusieurs petites pages comme ceci. Avec une seule ligne, et après vous avez des pages avec des petits carreaux. Et franchement, depuis que je l'ai acheté,
je m'en sers pour tout noter. Donc, je note les vidéos que j'ai envie de faire, que je dois faire, les produits que j'ai utilisés dans mes vidéos pour les noter en barre d'infos pour pas les oublier. Je note, alors moi, j'ai fait plusieurs parties. Ici, je note des moments, je trouve des citations, que ce soit sur Internet ou sur Facebook ou Instagram. Je trouve des citations qui sont plutôt belles, donc je n'hésite pas à les noter. Hop, là, j'ai noté quelques recettes que j'ai trouvées pour faire des soins cheveux maison. Et en fait, à la fin, bon, je vais cacher parce qu'il y a certains mots de passe. Je note mes mots de passe parce que oui, j'ai énormément, que ce soit pour Instagram, Facebook, boîte mail, les sites en particulier, j'ai énormément de mots de passe. Et souvent, j'évite de mettre trop souvent le même pour éviter justement que je me fasse pirater. Donc, je note mes mots de passe et en dessous, je note mes rendez-vous. Ici, je note les numéros que des moments j'ai besoin. Donc, franchement, je crois qu'il coûte 99 centimes si je ne me trompe pas. Et franchement, c'est super bien. Ici, vous avez une petite enveloppe à l'intérieur. Vous avez des petits... J'ai perdu la ficelle. Ben, non. Ok. Vous avez une petite enveloppe comme ceci pour mettre des petites choses. Et franchement, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et franchement, depuis que je l'ai, je ne fais que de m'en servir. Je mets mon petit stylo, en fait, entre les deux compartiments. Je ferme et je glisse ça dans mon sac. Et franchement, dès que j'ai un truc à noter, je le note dedans. Donc franchement, c'est plutôt vraiment agréable. Moi qui ai vraiment tête en l'air, qui n'arrive... Bon, je regarde plus en plus de vidéos où on apprend à s'organiser, tout ça et tout. Parce que c'est vrai que quand on est tête en l'air, on a très souvent... on s'éparpille un peu trop. Ce qui est mon cas, moi franchement... Moi, je m'éparpille partout. Alors, moi, c'est royal. Donc, c'est pour ça. Franchement, ça me sert vraiment bien. Et je suis pas mécontente de l'avoir acheté. Ensuite, un gros coup de cœur. Alors, ça, c'est grâce à ma soeur. Si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Qui m'a prêté. Alors, j'avais vu qu'elle commençait à faire la collection des Harry Potter comme ceci. Donc là, moi, j'ai le Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, c'est elle qui me l'a prêté. Donc, vous voyez que j'ai quand même déjà pas mal lu. Donc, il est comme ceci. La couverture, elle est juste magnifique. Franchement, super belle. J'adore quand ils ont découvert je sais pas comment on peut appeler ça. Oui, aussi des couvertures en, vous savez, en carton assez rigide. Donc ça raconte en fait l'arrivée d'Harry Potter dans le monde des sorciers. Donc notamment, bon, pour ceux qui ont vu les Harry Potter, hein, je pense que franchement si vous n'avez pas vu Harry Potter, je crois que vous étiez dans des grottes, tout simplement. Donc ça raconte Harry Potter comment par exemple il a été déposé devant la porte des Dursley. Éventuellement ce qui n'est pas raconté dans le film, et ça retrace vraiment l'arrivée d'Harry Potter en fait dans le monde à l'école des sorciers, tout son parcours en fait. Et vous allez voir, franchement c'est une pure merveille. Franchement, quand on commence à lire une page, on a envie de lire l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'en fait, une fois qu'on a vu les films et qu'on lit ce livre, on se rend compte que par exemple certains passages dans le film ne sont pas dits par les mêmes personnes dans les livres. Donc je trouve ça plutôt intéressant, et on voit beaucoup plus de détails, et ce qui est vraiment bien. Franchement, c'est une pure merveille. Elle a déjà, donc elle avait celui-ci qu'elle m'a prêté, et elle a le prisonnier d'Azkaban, et je crois qu'elle en a encore un autre, je crois, après je sais plus c'est lequel. Mais franchement, n'hésitez pas. Je ne sais pas combien il coûte. D'ailleurs, je ne vais pas demander. Mais franchement, de toute façon, cet auteur-là est vraiment magique. Franchement, j'adore ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est vraiment une petite merveille. Et chaque livre a sa couleur, en fait. Donc là, vous avez jaune. Je crois que le prisonnier d'Azkaban, si je ne me trompe pas, il est rouge. Et ensuite, je crois que vous avez bleu. Et ainsi de suite. Franchement, une pure merveille. N'hésitez pas, c'est de la très très bonne lecture. Ça se lit vraiment très très rapidement. Donc sur ces favoris du mois sont terminés. Je vous ferai une autre vidéo pour les flops, parce que j'ai quand même pas mal de flops. Et je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vous filmerai les flops. Si j'arrive à vous les filmer aujourd'hui, je vous les filmerai aujourd'hui. Sinon, je vous les filmerai un autre jour dans la semaine. Mais j'essaierai de vous poster par exemple les favoris. Bah, du coup, je vous les posterai, bon, là, le lundi d'après. Et je vous essaierai de vous poster les flops les jours qui suivent. Comme ça, vous aurez les favoris et les flops. Mais j'avais quand même pas mal de flops. Vous allez voir, vous avez une très grande surprise d'un flop dont tout le monde parle et que moi, personnellement, j'ai détesté. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce like si t'as aimé la vidéo. Et bah, si t'as pas aimé, bah, passe ton chemin, voilà. n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, parce que comme t'as compris, ici on est fou. Donc si t'as envie de rejoindre les fous, c'est par ici que ça se passe. Voilà, en attendant, je te fais plein de bisous. À une prochaine vidéo.
Bye bye.